Bonjour à tous, ici le Goomba80, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur Farming Simulator 2013, donc toujours avec la qualité de brin, mais bon, je mettrai seulement Fraps s'il y a des demandes, s'il y a des gens qui veulent que je le mette pour vous faire plus des grosses vidéos, on va dire, sur Farming Simulator 2013. Donc là, sur cette vidéo astuce, je vais vous montrer comment on peut gagner un peu plus d'argent en vendant, en revendant ces véhicules ou ces machines agricoles. Donc là, nous sommes tout simplement à la boutique agricole, donc dans le centre du village. Et là, juste ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les petits tracteurs dès le début dans un carré jaune. Juste ici, là, c'est la banque et là, c'est le petit logo pour vendre son tracteur. Donc, je vais vous montrer juste un truc. Donc, juste ici, là, c'est le tracteur donc là qu'il y a dans le carré. Et juste ici, là, il y a le prix du tracteur. Donc, neuf, il vaut 15 000. Et là, il vaut 7 500 en le vendant directement en appuyant sur P. Moi, je vais vous montrer une astuce pour les vendre plus cher. Donc là, on appuie sur P. Donc c'est tout bête. Donc vous avez juste à placer vos tracteurs, vos outils agricoles dans ce petit carré jaune et noir. Et tout simplement, vous venez ici. Donc là, vous vous avancez. Hop. Et là, on appuie sur la touche R. Et vendre cet élément. Et vous voyez le prix. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon, le prix c'est 9000 euros. Donc quand même, de 9000 euros le 7500, ça vaut largement le coup. C'est presque 10 000 euros le tracteur, et comme il a vraiment besoin d'argent des fois, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça, je vous rappelle bien que ça marche aussi pour les machines. Mettons la charrue dès le début qui sert carrément, pour moi, c'est mon avis perso, qu'elle sert à rien. Je préfère le cultivateur. Vous pouvez la ramener dans ce carré jaune et puis bah vous avez plus qu'à la vendre. Alors le truc, c'est sûr, faut pas être trop feignant, il faut ramener tous les trucs ici, et après bah quand même c'est bien bénéfique de gagner 10 fois plus d'argent. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis bah demandez Fraps, hein, si vous voulez d'autres vidéos, autres qu'astuces, hein, sur Farming Simulator 2013. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye à tous.